Laurie Souvigné est avec nous maintenant. Elle est directrice générale adjointe de l'Office du tourisme intercommunal d'Aix-les-Bains-Riviera-les-Alpes. Bonjour Laurie. Bonjour. Bienvenue à Into Days. Merci. Alors parlez-nous de l'Office du tourisme intercommunal. Qu'est-ce que c'est ? Alors, un office de tourisme intercommunal, c'est un office qui s'occupe de l'attractivité, en gros de la promotion touristique de l'ensemble de notre territoire. La particularité qu'on a effectivement, c'est qu'on est intercommunal. Ça veut dire qu'en fait, on regroupe les 28 communes, on représente les 28 communes qui sont situées autour du lac du Bourget. Avec une petite chose différente, qu'on aime bien faire être un petit peu différent des autres offices de tourisme, c'est que nous, on ne se concentre pas que sur la promotion ou l'attractivité touristique. On a mis en place, en fait, avec Aix-les-Bains-Riviera-des-Alpes, un programme d'attractivité territoriale, c'est-à-dire on va avoir envie de faire venir des gens pour venir en vacances, des gens pour vivre et des gens pour travailler sur le territoire. Donc notre job aujourd'hui, il est vraiment large et il n'est pas que touristique. Comment on fait pour attirer les gens ? Il faut leur donner envie de venir, donc déjà il faut rentrer en contact avec eux, ce qui n'est pas toujours simple, hein. Faut être là où ils nous cherchent ou surtout où ils ne nous cherchent pas. Donc il faut aller les chercher avant même qu'ils aient pensé à nous. Donc bon, il y a des techniques aujourd'hui avec le digital qui existent, mais surtout il faut se rendre un peu incontournable et puis il faut innover. Alors c'est ce qu'on a voulu faire nous quand on a créé notre marque Aix-les-Bains-Riviera-des-Alpes. On n'a pas voulu simplement créer qu'une marque de destination touristique. On a surtout mobilisé l'ensemble de nos acteurs autour de nous pour que finalement les actions de chacun se renforcent. On n'est pas chacun à parler dans notre coin, à essayer de faire venir le client chez soi plutôt que chez le copain d'à côté. On s'est tous unis pour porter finalement la même bannière, hein, cette marque Aix-les-Bains-Riviera-des-Alpes, pour crier finalement tous ensemble plus fort, donc, et se démarquer des autres. Et à côté de ça, on a voulu créer des petits produits, alors que certains peuvent parfois considérer comme des gadgets, mais nous, on en a bien vu l'utilité. Et c'est ce que je vous ai amené ici. Montrez avec Emma. Voilà, donc on a créé, en fait, on s'est lancé dans le marketing sensoriel. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, les gens vivent des émotions. Et le pouvoir du sensoriel, c'est d'ancrer finalement des émotions autour d'une odeur, autour d'un goût. Et donc, nous, on a créé, pour notre destination, une signature olfactive, un arôme, voilà, et on a travaillé ça avec un vrai parfumeur qui s'appelle Arthur Dupuis, que vous avez d'ailleurs rencontré, et qui est venu sur le territoire, qu'a senti l'eau du lac, qu'a senti l'odeur de bois flotté, de roseaux, de noix qu'il y a sur notre territoire, et il a surtout découvert qu'il y avait une menthe aquatique, en fait, au bord de notre lac, et il est parti de cette odeur-là, donc une menthe plus aqueuse, pas forcément une menthe chlorophylle comme on connaît, mais qui est vraiment notre identité. Et donc, il a créé cette signature. Donc, on commercialise, hein, c'est donc le parfum d'ambiance. Et c'est surtout, en fait, un parfum, une matière première qu'on a mis à disposition de nos acteurs. Et ils ont chacun réinterprété cette odeur dans leur produit. Et c'est ça qui a fait la force. C'est qu'on a vu naître des chocolats, on a vu naître des guimauves. Au goût de menthe à l'eau ? Exactement, donc c'est ce que je vous ai amené. Donc ça, D'accord. C'est le parfum qu'on peut pchiter comme ça en ambiance. Et puis derrière, on a donc décliné en arôme, comestible. Donc on a des chocolats à l'arôme Aix-les-Bains-Riviera-des-Alpes, donc ils sont faits par Sébastien Fautrel. C'est un chocolatier chez nous qui a tout de suite joué le jeu. Lui, il a vu l'intérêt de rentrer dans cette dynamique et puis d'avoir un produit mais complètement différent de tous les autres. Si t'attends, moi je fais du chocolat finalement un peu comme tout le monde, et bien là donc, il y a vous faites un jouer les cinq sens en fait, c'est ça ? Exactement. Ça fidélise la personne. Complètement. Et en fait surtout ça ancre les émotions. Je prends juste l'exemple de ça. Ce qu'on est en train de mettre en place là. Alors, ça c'est le parfum. Prochain, le parfum. Ouais. Quand vous mariez. Vous êtes dans votre salle, là. Il y a le monsieur le maire qui vous marie. Il y a toujours, c'est un moment de forte émotion, on est d'accord. Eh bien, nous, on va mettre des diffuseurs de parfums, donc qui vont avoir leur émotion du mariage assimilée à une odeur d'un parfum. Et à la fin, j'offre en cadeau au marié le parfum d'ambiance. Comme ça, une fois que je suis revenue chez moi, des années après mon mariage, je peux ressentir l'odeur de mon mariage et je ressens les émotions de mon mariage. On ira tous donc se marier ou faire nos fêtes et peut-être rester exactement. À Aix-les-Bains. Merci Laurie Souvigné, donc directrice générale adjointe de l'Office tourisme intercommunal d'Aix-les-Bains-Riviera-les-Alpes. Merci.